Prêt pour l'Allemagne? Ça y est? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Hein? Hein? T'as envie de dire quelque chose? Tu es content? Partir? Ouais? D'accord. Oui, je suis prête pour l'Allemagne. Ouais. Je fais mon sac déjà. Comment? Je fais mon sac. T'as pris ton sac? Oui. J'y vais. Non, chauffe quoi? T'es prêt? Un peu chauffage. Ça va? Un peu. Bonjour. T'as l'angoisse qui te monte? Un petit peu. Un peu. Quel lac ici déjà? C'est lui, celui là à portée. Alors voilà, je mets en caisse 50, 100, 120, 140, 160, 180. C'est le lac 200, de 220, 240, 250 euros. Starnberg. Diese Platz, ist schön, sehr schön, wunderschön. Ça c'est pour vous, Feta. Voilà. On va apprendre l'allemand, hein, Feta. Hein. Ce bâtiment, c'est l'Office européen des brevets.
Et tout à l'heure, quelqu'un vous en dira un peu plus. C'est ici que tous les brevets sont déposés. Les demandes de protection des brevets sont déposées ici pour toute l'Europe. Et c'est ici que tout est décidé et que tout est mis en catalogue et que tout est surveillé, car c'est une affaire de millions de gros sous, et donc il faut que tout soit protégé. Ce sont toutes les marques brevetées, programmées qui sont ici. Par exemple, vérification, interdiction d'appeler ailleurs qu'en Champagne, le Champagne, Champagne. Au consulat français de Munich et qui s'appelle Jacques Ganter. Tout à fait. Tout à fait, Jacques Ganter, et que j'ai rencontré lundi pour lui dire qui vous étiez, pour dire déjà vos noms et pour lui dire qu'est-ce que vous aimeriez entendre au sujet de l'organisation de la vie des Français à Munich au niveau du consulat. Donc je vais travailler au comité de l'emploi que propose donc un service au consulat. Et sinon, je viens de Bretagne, donc de Rennes. C'est-à-dire on ne vit pas ici comme on vivrait en France, ça c'est indéniable. Hein. On vit différemment et on a un parcours différent et on a l'impression qu'on a des tâches différentes à accomplir. Je suis originaire du Beaujolais et je suis arrivé à Munich, ça fait une dizaine d'années, à cause de l'Office européen des brevets. Deutsch, in zur Schule gelernt habe, ich wohne in Lyon. Donc là, je vous montre le système. Donc là, il y a un autre laser. Hein. Ça, c'est un laser pour lire. Mm. Ça, c'est un laser pour conduire. Et donc, il met ça dedans. Hein. Si vous voulez, on le fixe là. Hein, là, vous voyez ça. Ah, d'accord. Oui, donc, on le fixe ici. Oui. Et là, il conduit comme sur une montre, c'est-à-dire pour aller tout droit à midi. Oui. C'est un système de pilotage. À 3 heures pour tourner à droite. À 9 heures pour tourner à gauche. C'est un système de pilotage. Voilà ça. Et donc, il a ça, il le met sur. Oui, on voit le viseur. Et il conduit comme ça, ce qui lui permet, entre autres, dans le bâtiment où on est, ou voir là où il habite, dans les couloirs, etc., de se déplacer, d'aller d'une pièce à l'autre sans problème. Mm. Et donc, il y a 2 ans, il est allé à Paris pour déposer le brevet avec un ingénieur. Parce que c'est un bon domaine. C'était un ingénieur de l'école de Montpellier. Hein. Ça, il doit y avoir une école de INSA ou de oui, je oui. sais pas. Et donc il était venu exprès à Lyon pour faire le montage avec CETA. Et ensuite, 6 mois plus tard, il est allé à Paris pour déposer le. Ouais, ben donc, pour un concours, ils ont eu une médaille ou quelque chose comme ça. Le travail qu'on fait, donc on regarde les. Quand quelqu'un apporte une invention, par exemple le système que vous avez de pilotage là, bon, on regarde si ça existe. Et si ça existe déjà, on ne donne rien. Par contre, si ça existe un peu, on donne la différence. Le brevet, c'est la différence entre l'état de la technique, ce qui existait, et ce qui a été inventé. Je m'appelle Muriel. Je heiße Muriel. Et la semaine, je suis. In einer Tagesstätte in Lyon, das ist eine große Stadt in Frankreich, da wohnen sie unter der Woche, also tagsüber in diesem. Spricht es P.
hier. Sprichst. Meine Mutter. Il y a ton t-shirt. Débrayage, ça c'est pour débrayer. L'autre pied au bout là-bas, t'as une autre pédale au bout là-bas. Allez, vas-y. Appuie sur la pédale à fond. Vas-y, allez, ah bah voilà. Allez, à fond, à fond. Vas-y, à fond. À la mer, d'accord. Bah, bon voyage. Hein. Où? Au Bahamas? Oui, au Bahamas. Bah, vous partez pour combien de jours? Assez longtemps. Assez longtemps? Hein? Oui. Catherine, tu pars avec Luigi? Oui. Bon, bah écoutez, bon voyage. Hein.
Thank you.